ce qu'il faudrait relever, c'est la thématique de cette expo Milan 2015, la thématique qui est de nourrir le monde et l'énergie source de vie. Sur ces deux thématiques, le Maroc a réalisé des avancées extraordinaires à travers deux politiques initiées par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. La problématique de la sécurité alimentaire liée donc au plan Maroc Vert lancé quelques années et qui réalise des avancées extraordinaires sur le plan bien sûr économique, mais aussi sur le plan social à travers la mise à niveau de notre monde rural, à travers l'amélioration des revenus des petits agriculteurs, mais aussi à travers la force exportatrice donc de ce secteur, qui est un secteur économique en puissance dans notre pays. L'autre thématique qui est l'énergie, comme tout le monde sait, l'énergie est la base de tout développement et il ne suffit pas aujourd'hui juste de disposer d'une énergie compétitive. Encore faut-il relier d'ailleurs le secteur de l'énergie comme secteur agricole à dans le cadre d'une équation beaucoup plus globale, c'est comment améliorer ces deux secteurs tout en préservant l'environnement, tout en réduisant les impacts sur l'environnement et les impacts sur les changements climatiques. Je dois signaler que l'année prochaine, le Maroc va accueillir une très très grande manifestation qui est la COP22, qui va étudier la problématique donc, des changements climatiques liés à ces deux activités humaines. Donc deux secteurs majeurs pour notre pays sur le plan économique, deux secteurs qui bénéficient d'une vision, qui bénéficient d'une stratégie qui aujourd'hui, cette stratégie pour ces deux secteurs constitue un modèle de développement et qui rentre dans le cadre de développement global de notre pays sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste.